Hey, pop pop YouTube, c'est Kazumawa94. Je vous retrouve aujourd'hui sur Bimeji Drive pour une vidéo rapide. J'ai eu beaucoup de commentaires sur mon ancienne vidéo que j'avais faite il y a à peu près un an. Ma vidéo date du 9 janvier 2021 et j'ai été voir aujourd'hui là, j'ai obtenu 1260 vues, donc elle a été vue pas mal de fois et j'ai beaucoup de commentaires qui me disaient: j'arrive pas à trouver le mode, je sais pas où télécharger, à propos de comment changer une sirène et comment la télécharger. Bah du coup, je vais en refaire une parce que bah depuis un an, ils ont changé pas mal de choses. Donc, si je veux avoir un deux-ton de gendarmerie sur le BeamNG Drive, c'est possible, il suffit d'aller dans dépôt. Donc on clique sur dépôt. On s'assure d'être dans l'onglet dépôt au milieu, tout en haut au milieu là. Dans recherche, on tape French. Pour français en anglais, on clique rechercher et là vous avez des skins véhicules, des petits trucs sympas, plaques d'immatriculation à la française, voilà. Et vous avez pas mal de sirènes. Moi je vous laisse les prendre toutes sauf celui-là, le French Police Sirène Grand Tour. Celui-là j'ai pas trop apprécié donc je l'ai retiré. Et le Retro French Light Bar, je l'ai complètement retiré. Mais si vous il vous intéresse, n'hésitez pas à le prendre. Il vous suffira, je vais faire un test avec celui-là, French Siren Pack. Il vous suffira de cliquer sur la petite croix bleue, s'abonner au mode. Il va le télécharger automatiquement. Et une fois que c'est bon, c'est installé, c'est OK. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez pris bah, Siren Police Française par exemple, parce que vous voulez juste ça. Vous allez ensuite, pour faire le test, vous assurer que c'est bon, vous allez sur une map à la con. Donc là, je vais en prendre une toute petite. Hein. On va prendre le centre de formation. Comme ça va se télécharger rapidement et vous perdrez pas trop de temps dans la vidéo. Donc chargement, voilà, tactique, bim bim. Voilà, donc là vous avez un petit véhicule à la con. Vous prenez un véhicule, si possible, où il y a la police. Bah celui-là déjà, pour commencer, vous voyez, c'est pratique. C'est gendarmerie, il est officiel, c'est parfait. Vous voyez, c'est la sirène française de l'époque, ça fait un peu moisi, c'est dommage, on va changer ça. Donc on fait échappe, on va dans configuration du véhicule tout en haut au milieu. Ensuite vous cliquez sur la petite flèche à côté de body pour corps en anglais. Vous descendez jusqu'à avoir le mot roof pour toit, donc le toit du véhicule. Vous cliquez sur la petite flèche pour faire apparaître le mot light bar, donc le gyrophare. Ensuite vous recliquez sur cette petite flèche et là voilà, vous avez les sirènes audio. Oui, si je mets 24, ça sera plus la sirène française, mais voilà, ça sera ça. Et nous, bah, ce qui nous intéresse, c'est juste de monter tout en haut et de trouver le mot. Tiens, vous voyez, la police nationale sirène, par exemple. Donc là, c'est la police nationale. Hein. Bon, le son est un peu fort. Hein. Faudra rouler en vue intérieure pour éviter de perdre ses oreilles. Et voilà quoi, police nationale ou encore gendarmerie sirène. Voilà, si je mets celle-là, hop. Et vu que j'en avais vu une au-dessus qui est peut-être de meilleure qualité, on va vérifier ça tout de suite. Ah, celle-là est beaucoup mieux, je trouve. On se met en vue intérieure. On appuie sur échappe. Et c'est parti. Vous avez vu comment télécharger de façon très rapide le mode pour avoir les sirènes françaises. Et ensuite, comment le modifier de façon facile. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-le en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'espère que si, parce que là, j'ai vraiment fait au plus vite, mais j'ai tout expliqué. Hein. Pour BeamNG, il n'y a pas plus simple. Avant, il fallait passer par le workshop, et maintenant, c'est terminé. C'est directement dans le jeu. Vous pouvez prendre n'importe quel mode et vous amuser. C'est cadeau. Je remercie aussi mes 347 abonnés, pardon. 347 abonnés à ce jour sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Donc bah, n'hésitez pas, hein, partagez ma vidéo si d'autres amis à vous qui jouent à BeamNG Drive ne savent pas faire cette manipulation. C'est pas dur, mais quand on connaît pas, bah, on connaît pas. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, elle est très courte parce que c'est un tuto. Et je vous dis à ciao, bye bye.